05 11. Pierre Espérance, relève en pile sous numéro ça. Et je vais vous donner l'autre numéro que nous avons utilisé tout, qui est le numéro de l'homme dans RNDDH, dans l'emploi et l'institution, pour des qualités qu'on fait, relève sous 37 38 36 32. Citoyen ça relève Brice Inscony. C'est un employé RNDDH. Si que Digicel capable démentir que Pierre Espérance parle en pile dans le téléphone et que nous pas parler pour pipiti entre 5 à 10 minutes là que nous parler et que moi même moi porter tête moi par commissaire gouvernement pour arrêter me dans place Pierre Espérance qui t'a supposé dans pénitentiaire national parce que moi cher son ça non moi pas gang moi pas kidnappeur et pas un trafiquant de drogue pas contre ça relé cocaïne. OK, alors moi parler sous troisième nom pour nous. M'a demandé Pierre Espérance qui dit que lui fait 10 ans avant qu'il peut famille. Cherchons ça nous gagne une petite fille qui fait New York États-Unis le 31 janvier 2007. Petite fille me rentrer à Haïti deux fois pendant m'en prison. Pierre Espérance pas contre maman petite. M'pas dit madame moi encore parce que nous capable comprendre ça après 10 ans pas gagne madame encore. Moi gagne un petit garçon qui fait en 2010 Jacques Mel. Il est actuellement là à vivre au Brésil ensemble avec maman. Moi mettais Pierre Espérance en défi pour lui dire comment madame me relève, il dit il fait 10 ans prend soin. Moi mettais en défi pour lui dire comment petit me relève et lui même arrivé dit il paye l'école pour petit moi. Moi t'a remis pour monsieur Pierre Espérance chef gang 4x4A selon son aria pour lui dire que comment petit moi relé et qui côté petit moi l'école parce qu'elle pas même gain information si moi pas gain petit en Haïti. 4. Moi voulais porter éclaircissement sur toute conversation téléphonique et spécialement WhatsApp que moi gagne avec Pierre Espérance. En pile monde t'es oublié si t'es gagne un citoyen qui t'es relé Cherson Sano qui t'est arrêté le 1er juillet 2013. Que selon moi-même, qui c'était un enlèvement. Eh bien, je ne suis pas de monde pour te supporter encore parce que je n'ai pas de l'argent. Les familles me font contact avec quelques personnes pour aider. Malheureusement, je demande une excuse. Qui c'est journaliste pareil, nous, gros journaliste. Je demande 4 000 $ américains pour traiter le dossier pour moi. Eh bien, je ne pas de comme ça. Je n'ai pas accès pour acheter une bouteille d'eau pour les gants dans la prison. Parce que après presque 10 ans, tout petit moyen est censé finir. Famille me contacté journaliste vedette Teriel Telus, qui était à l'époque journaliste Radio Télé Zénith. Je expliqué monsieur Teriel le dossier. Au contraire, Teriel saisi. Parce que Teriel Telus, c'est qu'on aime comme un droit dealer. Teriel Telus te connaît Cherson Salon que Pierre Espérance te vendant comme un chef gang. Il te promet famille qu'il pas mande un dossier comme ça sans que il pas mener enquête. Famille dit Teriel que étudie sécurité rapprochée dans Sirecom Santo Domingo République Dominicana. Teriel Telus rendit Saint-Domingue dans l'école là la l'informer. Eh bien moi même petit garçon petit ça dans garder là. Mais c'est le troisième lauréat dans la promotion par le coup d'armée, dans la sécurité rapprochée, dans le Silicon Santo Domingo. Ok, troisième lauréat, c'est un Vénézuélien, c'est un Dominicain, et premier, c'était un Vénézuélien. Teriel Telus, rendu dans la ville Jacques Mel, dans le lycée Benchina. Et que beaucoup de gens bataillent un jour avec l'Union élève. Voir pour nous d'amener des dégâts, pour nous d'amener grand monde dégâts, pour nous trouver une situation. Teriel Telus est rendu dans l'école nationale mixte de Canestri Doré, côté qui me fait primaire, Kavov Jacques Mel. Eh bien, heureusement pour moi, il n'y a pas joué en rien de moi. Teriel Telus parlait avec un pile de Jacques Mel, il parlait avec mon petit Dessaline, il parlait avec un pile de monde qui connaît. Il n'y a pas de gens rapporté en rien de moi qui était mal. Eh bien, il était finalement dit la défendre pour jouer une libération. Il n'a pas décidé pour te faire traiter dossier ça dans la presse.
Il prend téléphone, il contacte monsieur bien espérance mais dit moi qui est capable d'essayer de le numéro ça pas capable répondre 37 76 21 01. Il dit Pierre, moi respecte travail en pile, moi connais présence sous EDPIA en pile, mais t'assembler pour te faire faille ou te faire fly dans un dossier que vous traité, c'est le dossier de Chelson Salon. Moi, t'as remé pour faire tout ça qui dépend de vous pour aider Piti à jouer une libération qui presque gagne 10 ans en prison. Je pense que M. Teriel Delis capable d'aider le pays à tout à travers message par lui. Eh bien, messieurs, dames, la société, Pierre Espérance pas de démenti Teriel, lui pas de jambes dit Teriel qu'il pas de faire fly dans le dossier. L'idée c'est seulement dit Teriel relé pour nous parler. Parce que comme habitude, lui c'est relé négocier. Lui pas jamais le courage pour assumer responsabilité ou bien pour demander excuse, c'est relé négocier, même gens qui lui fait dans un pile station radio avec télévision pour ne pas bon parler et pour ne pas courir conférence de presse. Donc, lui finalement, pas jamais dit Teriel rien. Teriel Bouki relèle, il n'a pas choisi de réagir. Monsieur Teriel Delis, journaliste vedette Radio Télé Zénith, décide de traiter le dossier pour nous dans la presse pour nous être capable de faire une libération. L'élue frappe, si tellement dit, monsieur tombé comment dans la prison, il dit c'est la presse qui empêche de me libérer. Il fait plusieurs tentatives pour me libérer. La presse bloque. Il dit journaliste, pas vle que dossier n'a traité parce que yo dit c'est gang. Après m'a entendu lui même à bouche qui dit c'est lui même qui dit gang. Li dit pour me dire famille éviter parler avec Teriel Delis qui sont traîtres qui parle les dossiers avancés qui défendre l'autre intérêt politique li qui parle les dossiers avancés. Et pourtant c'est pas jambe ça l'intérêt mais c'est Teriel Delis demander monsieur pour lui t'aider pour me sortir dans prison mais il pas choisi parler à Teriel pour lui dire qui ça. Seulement t'as cherché moun comme j'en te confère avec l'autre tête l'autre moun qui n'a sens pas là, il t'a cherché négocier parce que c'est dit relève pour parler mais pas de courage pour te démentir ça. Monsieur Pierre Espérance écrit sous téléphone WhatsApp oui, qui c'est 40 37 70 62. Il dit que il besoin faire un petit parler avec moi concernant dossier a pour le une formule pour être capable de jouer une libération. La presse parle, écrit, télévisé et puis médias en ligne qui là. Mes conférences, mes appels, mes messages, ça c'est constat, ça c'est procès verbal, constat que juge de paix Philippe Vincent fait, côté que m'était fait appel avec plusieurs juges de paix. Pour te venir constater téléphone pour moi en dans prison malgré yo un téléphone non yo un message yo yo dit oh Pierre Espérance m'avait dit job moi on pas capable rester pour servir mal ça. Eh bien juge Vincent juge de paix section sud lui te dit comme ça mon cher moi même moi pas servir tête moi m'a servir pays là. Ou elle m'a fait constat, mon téléphone, m'a constaté ça que moi, et puis m'a rédigé un procès verbal. C'est ça la loi dit que je suis capable de faire. C'est ça, juge de paix, juge Vincent Philippe Tédim. Il prend le téléphone, il dit qui ça m'a constaté là-dedans. Moi, dit moi besoin pour aller sur WhatsApp, moi, pour aller dans le message, pour aller constater message pour joindre que moi gagné avec 37 76 21 01 pour moi. C'est juge de paix avec mes parles qui ouvre téléphone là. C'est juge de paix avec mes parles qui allait dans WhatsApp moi. C'est juge de paix avec mes parles qui ouvre message yo qui passe yo graine par graine. Et puis, li prend yo, li mette yo sous papier, li dresse procès verbal sa pour moi, kote ke mes messages yo la. Monsieur Pierre Espérance, pa ka di pa parler avec moi. Yo juge de paix, pa ka constater ça que le pa wè. Ça, c'est pas un papier que Chelson Salon fait.
Ce n'est pas un message que je voyais par un juge de paix constater pour moi. Son téléphone que je remette. Malheureusement, je n'ai pas de téléphone avec moi parce que le téléphone interdit en deux prison. Je n'ai pas capable de sortir avec elle parce que à chaque fois que je sortis pour le tribunal, je fouille. Je rentre, je fouille. Qui donc le téléphone qui en net jusqu'à ce que. Il y a un policier qui gère la prison, il y aurait les DAP, ou bien nous connaissons son nom APNA, ou bien qu'il prend la main. Mais si ce n'est pas ça, le téléphone ça en net. Si tu as risqué pour te dire que tu as essayé de bombarder ensemble avec lui, parce que il a fouillé ou bien fou. Ça, nous étions quoi que nous clés sur lui, que Pierre Espérance suspendit le papa avec lui, parce que nous avons tout quoi.